Et je commence juste. c'était pour la vanne. Non, je rigole. Bonjour, je m'appelle Benjamin Torini, je suis acteur-réalisateur, dont la série Typique. Typique, c'était une web-série, et on a terminé par deux épisodes live, joués en direct. Moi, j'étais encore étudiant à l'IAD, et on s'est rassemblés avec des potes, des amis d'enfance, avec qui on avait envie de créer. Et j'avais un ami qui avait créé une page Twitter typique, parlait de la vie des étudiants et ensemble on s'est retrouvé à réfléchir, de se dire ah, ça serait pas mal de créer une série autour d'une bande de jeunes, d'étudiants, et on va faire ça sur le web en format court. C'était à l'époque où Bref cartonnait en France et on se disait bah, c'est le format idéal pour parler de ça et à la cible à laquelle on s'adressait, aux jeunes. On était sur le web donc on pouvait se permettre un peu, on avait un peu cette liberté et la RTBF nous la donnait. On s'est lancé dans l'aventure de se dire, bah, purée, faire deux épisodes un peu plus longs, dont 30 minutes en live, retrouver l'attention entre guillemets du spectateur. On était dans cette réflexion de aujourd'hui où tout est faux au cinéma, tout est tellement. Tu vas voir un blockbuster, t'es plus impressionné, t'es un peu banalisé, et de se retrouver cette performance de l'acteur, on le suit en direct, rien n'est faux, tout est vrai, tout est maintenant. Le web permet aussi de manière technique, faisable, tellement plus facile que la télé, de juste un branchement et t'es en live. Il faut juste être ouvert aux nouvelles dramaturgies innovantes, je pense qu'on est à la recherche de ça, à l'écoute de ce qui se passe, sans figer les formats. Aujourd'hui, dire web-série, ça ne veut plus rien dire, c'est des séries, choisis ton format. Il faut que l'école soit un tremplin et accompagne des projets comme Typique. Mais oui, je pense que ça pourrait être plus, en tout cas. Bah, ça l'est un peu, hein. Je veux dire, ça l'est, mais non, mais je veux dire, on envoie en festival des courts-métrages, mais plutôt des initiatives personnelles, peut-être plus à l'écoute de ça. Oh, je clash, je suis désolé, il faut que je... C'est trop, non.